revoir aujourd'hui les réformes économiques engagées au sein d'Afritac et examiner également les réalisations de l'année en cours et bien autant de sujets qui ont donc été discutés au cours de la réunion du comité d'orientation de cette structure. Le point avec Annick Ankassa et Tanguy Tsaka. Réviser les équations de programme de l'année fiscale 2019 et voir la programmation fiscale 2020, objectif de la 21e réunion du comité d'orientation d'Afritac Centre. Avec l'appui du Fonds monétaire international, les réformes au Gabon ont été démarrées il y a déjà 2 ans. Et de notre part, on s'occupe du renforcement des capacités pour mettre en place les réformes économiques qui sont souhaités par le gouvernement gabonais. Le Gabon qui assure la présidence du centre en est à sa dernière année avant de passer le flambeau au Cameroun, l'heure est donc au bilan des activités. Le Gabon s'est résolu à accélérer le rythme et la mise en œuvre de ces réformes structurelles afin d'asseoir une dynamique de croissance à moyen et long terme, bénéfique aux couches de nos populations les plus vulnérables. Ces réformes concernent à la fois les finances publiques, des mesures sectorielles et l'amélioration du climat des affaires, sans laquelle les investisseurs ne viendront pas dans le pays. Sur le volet des ressources, l'effort de mobilisation des recettes hors du job au cours des prochaines années se poursuivra, tenant compte des recommandations des Assises nationales de la fiscalité en 2015. Il s'agit, entre autres, du développement de la fiscalité foncière. L'Afritac Centre est composé du Burundi, de la République démocratique du Congo et des pays de la zone CEMAC. Sa mission est de mobiliser les recettes, de gérer les finances publiques, de superviser les opérations bancaires et de gérer la dette.